C'est reparti, quête. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Alors, bonjour. C'est la meuf. Scorpion. Oui. Notre glorieuse révolution nécessite un mercenaire versé dans l'art de la guerre. Moi. Je veux que tu donnes une bonne leçon au gouvernement. Comment ? Je sais que tu es l'homme de la situation. Merci. Elle m'a pas dit quoi faire. Merci pour la mission. Et qu'est-ce que je dois faire du coup ? Elle m'a pas dit, hein. Bonjour, bonjour. Mais je suis pas un intrus, je suis parti de la famille. Je suis un ami de la famille. Ah ouais, il y a un truc ici. Tu pourrais tirer une belle explosion de ce conduit de biocarburant. Oh non. Non, je suis bloqué là. Ok, non, c'est bon. Ça m'est déjà arrivé une fois en fait de me bloquer ici. Mais genre, je pouvais pas sortir, j'étais obligé de me suicider. Ok, bonjour. Hop. Putain, il en reste un là-haut. Ok. Putain. Voilà. Vite, c'est good. Et hop là, on se met de ce point de vue là. De rien, bonne leçon gouvernement, c'est fait. De rien. Là, il est solide cet hélico. Prochaine mission là-bas, débat politique. Par contre, je commence à voir mal là de leur connerie. C'est quoi cet hélico qui est méga solide? Ah oui, c'est lui, ok. C'est la pâche chelou. Et bam, trois coups de pied. Putain, il m'attaquait pas aux roquettes. Si, 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 il m'a mis un coup de roquette. Bon, on reprend en tout cas. On reprend, c'est reparti. La vie, c'est dur, c'est pas de vie molle, comme on dit. On y va. Donc, troisième quête. J'en ai marre d'être de travers à chaque fois que je pilote un hélico. Ça me le recadre pas. Mais ce qui est logique, en soi. Et hop, faut se recaler comme ça en fait. Voilà. En fait, faut se mettre droit, mais c'est compliqué avec juste des joystick. Imagine, tu pilotes droit et il y a des vrais conducteurs d'hélico qui pilotent avec ça. Je sais pas, je dis de la merde, je sais, merci, abonnez-vous. Hop là. Bah, je sais garer un hélico, moi. Vous prenez pour qui? On est arrivé, prochaine quête. Alors, dis-moi, Scorpion. Il est de notoriété publique que les politiciens se laissent aisément berner, menacer ou soudoyer. Ou accepter des poux de vin. L'exception à cette règle. Bah, soudoyer, oui. Queen Runtime. C'est typiquement un homme de fer, tenace et incorruptible. Donc faut le tuer. Mais j'ai ma méthode pour briser ces forces de la nature. Moi. J'ai donc besoin que tu me l'amènes, camarade. Ok. C'est une mission d'escorte. Enfin, d'escorte. Mais si t'es sûr. Déjà, s'ils te mettent une moto dans ce sens-là avec un truc comme ça, c'est qu'il y a une raison. Alors, je vois rien. Je voyais pas.
Je voyais pas où est-ce que j'étais. Fuck. Merci. Comme tu t'en doutes sûrement, Tang va voyager en limousine. Détourne cette limousine et amène-la moi. Décaté, meuf. Et bam. Faut qu'on arrive ici. On dit bonjour. Pff, bouge de là. Pff, bouge de là. Pff, bouge de là. Bonjour Tang. 3 km. Je vais die. Je vais die avant. Alors, faut est-ce que... Oh là là, faut faire un trajet. Bonjour. Arrêtez cette voiture et laissez-moi partir. Vous allez entendre parler de moi. Monsieur Tang, on a deux possibilités. Soit vous me suivez bien sagement. Soit je vous coupe les mains et je vous cogne avec jusqu'à ce qu'on arrive. C'est clair? Ah là, il a fermé sa gueule. Ouais, ferme ta gueule. Oh, ce dérapage. Après, c'est solide une limousine, donc ouais, je suis pas contre. Merci, merci les murs. Ouais, comme quoi, moi je fais des roulites. Ah ouais, je renverse les gens, Malek. C'est voulu. Non, je suis pas bloqué. Tu te fous de ma gueule. Non, je suis bloqué. Ça me casse les couilles. J'ai envie de péter des câbles. Bah oui, on va recommencer. J'étais bloqué. Non, c'est chiant. Attends, on est déjà à 7 minutes de record. Putain, j'ai pas de notion du temps. On reprend. Vous pouvez manipuler deux armes simultanément. Appuyez longuement, ok. Tu vois? Eh ben ouais. Comme tu t'en doutes sûrement, Tang va voyager en limousine. Oui, bah oui, je m'en doute sûrement. Ok. Et bam, explosion. Et bam, ça fait des chocs pics. Abusé. Bah, je sais que je peux pas monter dessus à cause de ce connard. Bonjour, c'est un allié ça. Bonjour, casse-toi. Casse-toi, je t'ai dit. Casse-toi. Permets, amigo. Hop là, bonjour, au revoir. Donc on reprend le trajet comme il faut. Qu'est-ce que vous allez lui faire? C'est vrai que j'ai pas parlé depuis un petit bout de temps aussi. Ah, mais faut y aller doucement, c'est tout. Moi je me prends la tête à aller méga vite. Et laissez-moi partir, vous allez entendre parler de moi. Monsieur Tang, ah. On a deux possibilités. Soit je te tue. Soit vous me suivez bien sagement, soit je vous coupe les mains et je vous cogne avec jusqu'à ce qu'on arrive. C'est clair? Tu fermes ta gueule, connard. C'est ce qu'il est en train de dire. Merde, je pensais Woolit. Voilà, prends-toi ça. Bah, les codes. Will, j'ai pas vu. Oui. Machin est con. Non. Je passe. Je vous le dis, je passe. Vas-y, 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 vas-y. Au revoir. Ça, c'est trop bien. C'est bon, on est arrivé. On a fait toutes les tous les virages chiants. Merde, la porte.
Je vais pas réussir à tourner avec tant de vitesse. Si. Eh bah easy. Très easy, très easy. Mais bouge. C'est un ouf, oui. Par contre, ouais, je vais prendre cher. Ok, faut qu'on se décale, qu'on passe par ici. Et qu'on reprenne. Ah, c'est con. Fais voir la suite. Faut se maintenir sur la voie principale. Bonjour, excuse-moi. Bonjour, excusez-moi. Il faut bien suivre la route comme ça et prendre ce virage là. Ok. Bonjour, bonjour, excusez-moi, faut que je prenne ce trajet. Et bah voilà. Putain, je. Pour une fois, je conduis bien dans une mission d'escorte. Parce qu'on en a fait des missions d'escorte. C'est peut-être le meilleur que j'ai réussi à avoir. Pardon, excusez-moi. C'est con ça. Mais je suis plus là en fait. 500 mètres, ouais, 500 mètres, ça va. Si au pire je suis en feu maintenant. Ok, bah non, bah, je serai pas en feu maintenant. Mon véhicule il a rien pris. Un petit peu sur le devant, mais sinon. Tu t'es mis devant. C'est de ta faute, j'ai envie de te dire. Excusez-moi. Excuse-nous. Ok, c'est bon, je ne suis plus en portée des ennemis. Il faudra que j'effectue une TP sur cette base militaire. Dans ce village, le village de Bundorganing et Chebutubitubitu. Allez, c'est parti. Faut attendre qu'on soit plus recherché. Mais ça, je descends vite. Ça descend vite. Et... bam. Comment je peux t'aider? Qu'est-ce qu'il te faut, Amblay? Ah oui. Prochaine quête. On va loin, hein, mais il nous reste plus grand-chose. Plus que 5 quêtes. On aura fait toutes les quêtes de faction. Toutes. Sans exception. Putain, ça va vite en vrai. R. Sheldon, tout le merci. Eh ben, je le remercie en retour. Ah, c'est Sheldon, c'est le bro, quoi. Et c'est vrai que je fais un peu tout le travail. Ça fait des jours que je pète des villages. De la révolution. C'est moi. Je veux que tu nous aides à déprogrammer l'ordinateur d'une des bases militaires. Comment? Leurs horribles radars et missiles sol-air. À quel but? Empêche d'acheminer des marchandises de contrebande via certains axes. Pourquoi? Pourras-tu nous aider, camarade? Oui. Sont-ils les mêmes? Oui. Donc faut aller dans la base là-haut. J'avais bien buté. Base que j'ai déjà fini. Le voilà. Déprogramme-le afin de débarrasser nos avions de leurs missiles sol-air. C'est tout. Je pensais qu'il m'avait pas vu, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, c'est des ouf. Ils nous ont envoyé de la marchandise, là. Ouais, non, mais ils ont pas le temps. Ouais, non, mais ils sont allés loin, là, quand même. Bon, heureusement que j'ai tout envoyé. De rien, cocotte. T
Prochaine quête ici, libération anticipée, c'est parti. Ah non mais c'est fou. Bah ça allait vite hein, cette quête en vrai. Mais c'est juste qu'il t'envoie un hélico et un char d'assaut. Heureusement que j'ai les armes. Attends, on est en plein milieu de la route. Elle va pas se mettre en plein milieu de la route pour me parler. Sinon, là, elle fera 3 infractions sur un pont en plus. Ah si, elle s'est mise en plein milieu de la route. Camarade, Saul Sukarno, l'un de nos meilleurs tueurs. Mission d'extraction. Il sera mené par camion jusqu'à son peloton d'exécution. Rentre sur place et libère-le. Je veux ma meilleure gâchette à mes côtés. Mission d'extraction. Petite mission d'extraction. Rattrape le convoi et sauve Sukarno, camarade. Mais je te parie qu'il est en bas. Il en atterrit sur la montagne. Et là, on fait du repérage. Et là, il y a du monde. Et là, il y a du monde. Ok, devant. Ça dégage. Coup de boule. Coup de boule. Et coup de poing. Ouh, 1 km. Là-bas ? Ouais, pas loin, c'est pas loin. Et voilà. Je suis sur l'axe principal, faut juste aller tout droit. Ok. C'est du tout droit, mais il y a du monde sur le chemin. Mais je suis dans un véhicule méga bleu. Pas tant que ça blindé. Je gère la situation. C'est magnifique. C'était magnifique. Ah bah il est là. Ah il est passé à l'avant. Ah, il est juste à côté de moi. C'est fou ça. Mais qui se fait exécuter, il se met juste à côté. Je gère. Moi ça fait des points de cascade. Putain je rebondis quoi. La situation. Aïe. Aïe. Oui. Bonjour. Et on est arrivé en si peu de temps en plus. Dérapage. C'est parfait. C'est parfait. Et hop, petite mission là-bas. Un peu loin, 3,10 km, mais ça devrait aller. Maintenant qu'on est repéré par les méchants, on va y aller. Hein. En tout cas, réussir les 49. Il y a 49 missions de spectre. Ils auraient pu en foutre 50, quoi. Puis 49, c'est même pas un multiple de 3. Et dire qu'il y a certaines choses comme en plus. Face à un petit peu de 3 à 3, 18 x 3, 18 x 3 peut-être, non? Je crois, mais pas du tout. 16 x 3 non plus. 15 x 3, 45. 16 x 3, 48. C'est-à-dire qu'il y en a une qui est une mission en plus. Je pense que c'est les Roachies, j'en ai fait quand même beaucoup de Roachies. Hein. Je pense que les Roachies ont une mission en plus. En plus, t'avais les prises de zone aussi, enfin, plein de trucs quoi. Plein de trucs totalement délirants. Ah, on est déjà plus qu'à 1 km, je parlais et hop, ça va vite. Je vous ai dit que ça irait vite. Donc on est là, là. Et la quête est là, ok. Ouais, quand tout droit on se rend le plus vite, mais ça va en vrai. 840 mètres. Oui.
Et on arrivait. On avait tout fait ici, c'est même pas un début de village, c'est quoi cet endroit? Ouais, non, c'est un endroit comme ça. Merci pour cette pièce de véhicule. Bon oui, je suppose qu'il doit rester des choses, mais on a tellement fait. Il nous reste plus que quand même 85 pièces de véhicule. Mais on en a récolté quand même 815. Dernière mission camarade, de faction. Tu es l'homme de la situation. Dis-moi. Un contingent de mes meilleurs hommes est en danger. Ils étaient en permission à la station de ski de Panao. Et ils faisaient prendre des vacances. Ils sont tombés dessus. Nos pots de vin ne sont plus ce qu'ils étaient, camarade. L'un de mes officiers préférés, et j'entends par là dans tous les sens du terme, est gravement blessé. Ah, toujours, hein, comme d'hab, hein, rencontre au sommet. Je veux juste récupérer la petite pièce de véhicule ici. Docteur de Weeper, faut aller le sauver. Ah non, bah, je vais pas récolter tous les trucs. Je vois que je suis encore en niveau 2 de recherche. De points. Ok. Putain, j'ai plus que 4 grenades. Et 6 explosifs à détonateur. C'est vrai que le stockage de vin, enfin plus t'es meilleur, plus t'as du stockage, ok, mais ça manque du stockage. Bonjour. Allez, bien monte. Allez, vite. Je dois sauver cet homme avant qu'il ne soit trop tard. Faut partir par où? Quoi? C'est quoi le trajet? Scorpion, vite! Mort de l'officier dans 2 minutes. Et c'est quoi le trajet que je dois faire? C'est vraiment ça? J'ai pas le temps, moi. Putain, c'est vraiment ça. Non, mais c'est les pires trajets que vous me dites de faire. C'est vraiment la pire mission ever. Mon véhicule va totalement mourir 10 fois avant. Non, 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 mais c'est inconduisible. Voilà. Ça se conduit pas, ce machin. Viens, monte. 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 Putain, 1 minute 30. 1 km, c'est mort. Ah si, si, c'est bon. En faisant ça, en faisant ça, en faisant ça, j'ai envie de crever. J'ai envie de crever, on va recommencer. J'ai envie de péter des câbles. J'ai envie de péter des câbles, c'est chaud. Elle est méga chaude cette mission. Vous pouvez manier 2-1, oui, oui, bah c'est bon, j'avais compris ça. Là, il a un revolver et un 9mm dans la main. Et t'as vraiment l'impression que c'est une image de Just Cause 0. Je sais, je vais chercher le docteur. We were the champion. Ça, c'est vraiment. On finit par la plus dure des missions, j'ai l'impression. Dans les méga chaudes. Si, t'avais la mission l'autre connard. Celle qu'on a recommencé 15 fois. C'est pas faux. Il faut un gros véhicule. Lui. La garrette over Zaid. Pourrait prendre un hélico en vrai. Il monte dans les hélicos. Allez, tu penses? Je dois sauver cet homme avant qu'il ne soit trop tard. Allez, monte vite. Oui, j'ai eu. Oh. Oh. Oh non. Non. C'est immaniable, c'est immaniable, c'est immaniable. Ok, vite.
Équipement. Il a deux places cet hélico. Qu'il est beau, l'hélico. Viens, monte là-dedans. Est-ce que ça a deux places? Oui, viens. Et bah voilà, c'est plus rapide comme ça. Le jeu, non, le jeu il est pas beau là, le jeu il est immaniable. C'est immaniable. Non, j'avoue, il est trop beau ce jeu, c'est fou. Moi j'aime, j'aime ça. Voilà! En fait, c'est vraiment une mission méga facile. J'en ai marre de tricher. J'en ai marre. On a bien compris qu'il fallait juste prendre le vieux 4x4 et faire tout le trajet à la neige. Je sais. Mais bon. Porte du Gungu Hotel. Ah bah voilà. Des militaires, ils sont partout. Élimine-les tous pour que je puisse entrer faire mon boulot. Ah, ça fait mal, camarade. Ah, bah voilà. Bah voilà. Bah voilà. Attends, on finit sur une très mission chiante. Voilà. C'est vraiment la mission de sauvetage la plus longue des missions de faction, la plus compliquée de tout le jeu, quoi. Et tout le point win. Petit expert en armement dépensé. Qu'est-ce qu'il reste à tuer? Ah! T'es mort? T'es un ouf toi aussi? Voilà! Et bah de rien, cocotte! Te satisfaire! Homme de confiance, j'ai réussi les 49 missions de faction. Et on va pouvoir entamer la quête principale. Le voilà, le voilà. Vite, c'est bon, on est plus repéré. Ce qui est pas mal, ce qui est pas mal, ce qui est pas mal, ce qui est pas mal. Et bam, bam, Théo. Il reste vraiment 4 villes ici, parfait. J'ai envie de péter les câbles. On va aller là. À Capoun Kilian Papam pour la quête principale. T'as la TP, elle s'est fait une vitesse. C'est là qu'il y a du son qui sort. Ok. De toute façon d'être observé maintenant. On fait voir les armes, on est bien, on est bien, on est bien, c'est parfait. Salut Shell, c'est lui qui m'a livré, mais bon. Début de quête. C'est parti, on écoute l'histoire. Rico Rodriguez a encore frappé. Laisse-moi deviner, t'as trouvé toutes les infos que tu cherchais. On a touché le gros lot, Sheldon. Le russe, Sangson et l'ex-général japonais. Ils se planquent tous au Three Kings Hotel. Et le meilleur, c'est qu'ils ont aucune idée qu'ils sont tous les trois au même endroit. Au Three Kings, hein, j'aurais dû m'en douter. C'est là qu'on trouve le meilleur bar de Panao et les serveuses assorties. Donc, raison de plus pour qu'ils fassent un tour. Prends-nous une chambre double. Je viens aussi. J'ai besoin d'un peu d'exercice, Andai. Tu vas pas t'éclater tout seul. C'est tout? Best amélioration, un bon meilleur là-bas. L'hôtel des Trois Rois. Et voilà, le Three Kings. Ken ne sera pas avec nous ce coup-ci. Elle a une conférence avec le quartier général où elle va leur expliquer les derniers rebondissements. Je suis un connard. Ok, faut que j'aille où? D'une pierre trois coups. Deux. Ils vont être sur chacun de toi. Ce sang, machin chose, là. Et moi, je cherche le pop-off.
Putain, on va vraiment se faire les trois d'un coup là. Bonjour. C'est quoi là? L'année du chien américain stupide? Je t'ai vu venir à des kilomètres. Espion de l'agence. Maintenant, la puissance des feux d'artifice chinois va être enfin dévoilée. Toi, c'est ça le boss? Il m'a fait si mal dès le début, quoi. Non. Putain, pas facile à tuer, le bâtard. Ah bah lui aussi, il, avait des... il nous filait des explosifs. C'est amusant. Nous, Chinois. Étions au courant. Au courant de quoi? Les Russes également. Même les Japonais savaient. Mais vous autres Américains, vous n'avez vu que du feu. Mais de quoi tu parles? Je confirme que le Russe est bien là. On va s'éclater, mec. Ouais, on voit bien que c'est pas toi qui prends. Hollywood venir réclamer part du gâteau. Trop tard, Buffalo Bill. Ah, on va vraiment se faire des Super 3 par toi. Envoyez-moi ça. Vite. De mère patrie fondre sur la langue. MDR, trois pierres d'un coup, tu tues les trois maintenant. MDR. Bon boulot, amigo. Allez, ramène tes miches maintenant. MDLOL quoi. Un par toi. Je savais même plus que c'était ça l'histoire pour moi, il y a quand même. Ouais, bah t'inquiète. Pas facile, pas facile. J'en vais péter des câbles. Merde, j'ai déco ma manette. C'est bon. Oh non, mais je sais pas, la dernière explosion, je me suis pris d'où. J'en ai jeté deux sur le véhicule et puis. Je sais pas, il y a eu une troisième explosion. Les câbles pour sortir à pied. Allez. Amène-moi là-bas. Putain, je commence à avoir quasiment ma barre de vie max. Tu descends là, mec. Bonne chance. Ah oui, il y a des clés morts. Je suis à la trace avec l'hélico. Par contre, je vais commencer à die. Ok, c'est parfait. D'ailleurs, si tu pètes la clé. Je vais die. Bah oui, je vais die. Il prend pas ses dégâts d'explosion. C'est un fou le bâtard. Ouais, non, moi ça m'énerve. Je vais débrouiller. Allez, ramène tes miches maintenant. Ok. Par contre, il prenait masse, les gars, quand j'étais depuis l'avion. Bonne chance. Je te cours, Kemosabe. Je suis à la trace avec l'hélico. Ok. Ok. Voilà. Ouais, c'est pas facile. Enfin, c'est pas compliqué. Je suis peut-être à terre. Mais ma patrie est debout.
On va faire péter la liberté, mec. Sheldon. Moi qui croyais tout vieux et rabougri. Rico, mon pote. Américain pur souche. Il s'est vraiment jeté dans l'huile. Les vrais Américains, on déteste les rouges. Notre ami japonais n'a pas bougé de sa suite. Il nous prépare sûrement un coup fourré. Entre là-dedans et règle-lui son compte. Est-ce qu'à un moment vous pouvez me filer une barre de vie? Ah si, il y a un kit de soins là-bas. Merci, on se met full vie. Bonjour. C'était pas là. C'était l'autre. Ok, c'est bon, on a fait ce téléport. Ah, te voilà enfin. Merci à toi, mercenaire, d'avoir éliminé mes adversaires chinois et russes. Tu me donnes également l'occasion de tester mon impressionnante batterie de missiles contrôlée par satellite sur toi. Ah. Bon, ça qui prend cher très vite, mais chiant hein. Ok, ok, bon ça va, il était pas bien compliqué. Par contre la batterie de missile fallait esquiver hein. Et on a tué les trois d'une pierre trois coups, on a tué les trois boss. Je m'éteins. Mais tu n'as pas gagné pour autant. Tous les regards sont tournés vers Panao, mais tu restes aveugle. Et oui, l'Amérique avance à tâtons et se bat, sans savoir. Bah dis les termes, dis les termes. Pff, je suis un connard. Je suis méga sadique. Reviens par là, Rico. Je t'ai préparé une petite margarita. Les trois pontes des superpuissances éliminées. Et un peu de temps pour une délicieuse margarita. Ce qui veut dire... Je parie que ce qui a attiré ces loustiques, c'est aussi ce qui a poussé Baby Panet à déchirer son contrat avec l'oncle Sam. Mais c'est quoi? Logique. Et maintenant? Eh ben, on va sortir le grand jeu, Rico. Il faut que ces factions te prennent pour leurs frères pendant que tu les sabordes de l'intérieur. Plus la crise sera grande, plus on aura de chance de voir Baby dévoiler son jeu. Et là, on lui fera passer l'envie de jouer. Ouais, bon, c'est bon, moi, j'ai fait toutes les quêtes de factions, je les ai sauvées, je les ai, voilà, j'ai tout fait. Après, je sais pas combien la mission de la... combien il y a de missions de la genre. Bon, on fait la prochaine mission de l'agence en tout cas. Ouverture du PDR. Nouvelle mission de l'agence débloquée. Oui, je sais, il m'a resté. Je viens de voir un truc qui m'a pas plu. Ils ont dit que j'avais pas fait une course par ici. L'aéroport. L'aéroport à 100%. Ils m'ont dit que j'avais loupé une course par là. C'était mal affiché. Oh non, j'ai fait toutes les courses ici, vous êtes des fous. Dans l'antre. Les acteurs internationaux sont sur... Attendez, là on a... Ton service, amigo. Qu'est-ce que ce sera? Just Cause 2. Nique ta mère. 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 Ok. Nique ta mère. On s'arrête nique là. Ta mère. Et on fait les
deux... Enfin, j'ai regardé, il reste deux missions d'agence. Donc celle-ci, la 6 et la 7. Nique ta mère. Nique ta mère. Je vous fais des gros bisous. Bisous YouTube. Nique ta mère.